Ça promet d'être comment cette année le fax? Super! C'était très amusant, on était tous ensemble. On était donc ici au foyer et on avait plusieurs activités à faire, par exemple construire la pieuvre ou faire des rideaux ou peindre des choses. Et tout ça avec de la musique et tout, on parlait tous ensemble, du coup c'était très amusant et très sympathique. Comme toujours, c'est très bien organisé, et puis les concerts vont sûrement bien se dérouler, même avec la pluie. Et on attend une très belle édition avec de très bons groupes de professionnels cet après-midi, comme ce soir, surtout à 17h. On va faire un point sur l'ensemble de la journée. Donc déjà, premier point, c'était le planning du bar qu'on avait vu en réunion. Donc changement, vu que, évidemment, le bar de la Colporteuse, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de village, vu qu'on est tout à l'intérieur, il n'y a pas de village. Donc tout va se faire à l'intérieur, donc les Colporteurs sont en train de gérer le bar du foyer. Et aussi, au niveau du CDI, tout leur espace avec les caravanes. Donc après, groupe d'Eblanbec, 19h15. Ensuite, Flavia Coelho et les deux ASM et sur les deux interludes. La fanfare brésilienne. Voilà. Et on finit par le mot de la fin. Et en parallèle de tout ça l'après-midi, skijacking, là, le body painting aussi. Donc ils sont installés là l'après, mais le soir à Bocabo. Dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir un colporteur extraordinaire. Ce colporteur s'appelait Hubert. Et ce colporteur, au hasard d'un chemin, a croisé un jour, à l'orée d'une forêt, une bulle de savon géante. Vous ne me croyez pas, je le sais. Ah, la planète bulle. La planète bulle est en danger parce qu'à l'heure actuelle, les gens ne font plus assez de bulles, en fait. Et donc, du coup, notre mission à nous, si les gens et les personnes présentes ici l'acceptent, c'est d'essayer de faire le plus de bulles possible aujourd'hui pour que toutes ces petites bulles, elles aillent et elles remontent au niveau de la planète bulle, qu'elles viennent se colmater à la planète bulle et que les habitants de la planète bulle puissent survivre. On est une association qui se base à Argenton-les-Vallées, donc au château de Sanzay. Et on a pour mission de développer un petit peu les animations autour du château de Sanzay, sur le territoire argentonais, et aussi en itinérance, donc avec les caravanes qui sont derrière nous, où on propose des temps d'animation pour les petits, pour les grands et pour les moins grands. Voilà. Ah, Simon triche pas. Ah. Ouais, joli. Ici, c'est le repère du magicien. En fait, je vais faire des tours de cartes, des tours de balles, des tours de gobelets, de cordes, en intimiste, comme dans une petite pièce renfermée, histoire qu'on ait un petit univers à nous. Thank you.
septembre 2012. Jusqu'à ? Mais pendant 15 mois. Ok. Et donc là, vous vendez des cartes postales et il y a aussi un système pour que vous nous envoyez des cartes postales d'un pays particulier ? Le pays que vous allez choisir, en fait. Le pays que vous allez choisir par rapport au pays qu'on va visiter. En fonction du don que vous avez fait pour nous aider à financer le voyage, en fait, on vous enverra une ou plusieurs cartes postales pendant le voyage. On est donc une association Artisans du Monde. Ce qui se voit d'abord, c'est le magasin. On a amené des produits qui sont en vente au magasin. Mais en fait, la vente, c'est un prétexte pour développer le commerce équitable et faire connaître nos objectifs, qui est agir pour un monde meilleur, pour un commerce plus juste et qui favorise les petits producteurs plutôt que les grosses structures. Voilà, en gros. Alors bonjour Vinvin, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le skinjacking ? Bonjour, donc le skinjacking, on fait des faux tatouages. Tu choisis pas ton tatou mais t'es content, vu qu'on est très fort. Et c'est à peu près ça. Vous faites ça depuis longtemps ? Là ça fait bientôt 3 ans qu'on existe. Voilà. Et vous tournez un peu partout ? C'est que dans des événements ? On organise un peu tout genre d'événements. On a travaillé avec les enfants un peu, on a travaillé en club avec les gens bourrés. On a travaillé un peu avec plein de publics différents. Voilà, on intervient quand on nous appelle en fait. Survivre et suivre, en fait, le principe de notre association, c'est d'expliquer ce que c'est que la France-Afrique et de dénoncer un peu les relations qui existent encore entre la France et les pays d'Afrique, notamment les pays qui étaient les anciennes colonies françaises. Si on propose un jeu avec plusieurs questions, donc où le public doit reconnaître chercher les anciennes colonies françaises. Ensuite, on a une question sur le franc CFA. Donc lesquels ont encore le franc CFA. On a des choses sur, par exemple, les pays pauvres, sur lesquels sont en démocratie, sur les richesses, voilà. Donc c'est vraiment... L'idée du jeu, c'est vraiment d'expliquer au fur et à mesure des questions
que en fait, l'Afrique possède beaucoup de richesses. On a beaucoup de pays qui sont riches hein, avec les différents matériaux qu'on retrouve. Et puis finalement, on sont dans les pays les plus pauvres. Donc c'est de dénoncer un peu ce paradoxe. Et tout ça, c'est lié au fait que ben, la France a encore des liens avec ces pays. Bonsoir Genevois. Bonsoir Signoret. Bonsoir Bocapol. Bonsoir le Fax. Je vais faire un autre. C'est le Lorec. Notre première impression, enfin pour moi, génial, super. Ouais, super ambiance. Vraiment un super public. Bah, souvent, on a déjà fait un concert au lycée et on est très très bien accueillis avec les lycées. Bah ouais, c'est vraiment des. Ouais. Des gens sympas. Puis c'est jouer devant eux, ils sont toujours à fond. Quoi. Nous trois, on s'attendait pas à ça. Hein. Ah non, moi je m'y attendais pas non plus. Enfin, il y a pas beaucoup de concerts où l'ambiance a été à son comble comme ici. Merci beaucoup. We'll be right back.
France. Et je viens de Rio de Janeiro, Brasil, Brasil, Brasil. Participer à l'action de la Maison des lycéens toute l'année. Si le reste, ils ne sont pas partis se coucher. Passez par la scène, ce sera plus simple. Merci à tous. Et merci aux organisateurs, merci à Max et Cédric, merci à vous tous encore une fois. Merci à vous. Merci pour la salle et... encore merci à vous parce que malgré les intempéries, vous avez réussi à nous faire une bête de soirée. Ouais, ouais. Bon allez, maintenant on va passer une petite chanson. Ce que je vais vous chanter là, c'est une manière de vous dire que la vie est faite de voyages, d'aventures, de découvertes. Et ces voyages, ces aventures, ces découvertes, eh bien, je vous les souhaite tous les plus beaux, les plus longs possibles. Et en fait, c'est une chanson de Noir Désir que vous connaissez, qui correspond un petit peu à nos vies, qui s'appelle Le vent nous portera. Je n'ai pas peur de la route. Faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres, des mains, et tout ira bien. Le vent nous portera. À la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même si ça ne sert à rien. Le
vent me portera. Alors encore une fois, merci. Je remercie, c'est pas toujours évident, toujours simple, nos deux animateurs culturels, Max et Cédric. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont réussir à mettre en place un projet sur tous les établissements de Bressuire. Vous le savez, l'année prochaine, on va s'agrandir. Il y aura le lycée Vinci qui rentrera dans la cité scolaire. Donc j'espère que le fax va prendre une autre dimension et je vous regarderai à distance, à 8000 km de là. Donc vous m'enverrez des images, des photos. Et puis peut-être que j'arriverai à déplacer le fax sur l'île de Mayotte où je m'en vais. En tous les cas, merci et soyez prudents en rentrant. Merci les techniciens.